Le grimpe D en 20 secondes, donc c'est un challenge international de secours en milieu périlleux. Donc là, derrière moi, on a les deux premières épreuves qui sont des épreuves chronométrées, de récupération de personnes le long de façade, dans des bennes. Et puis après, ils ont un parcours un peu plus plaisant, c'est-à-dire où ils vont devoir passer de containers dans des bateaux, monter sur des ponts, sur des filets, faire du detrite. Et puis cet après-midi, on est reparti sur une épreuve chronométrée au niveau de la citadelle, où il y a du brancardage, où il y a de la tyrolienne, il y a des passages en souterrain, qui est un petit menu complet de tout ce qu'un groupe grimpe peut trouver dans sa vie de tous les jours. C'est une très bonne ambiance. Là, bon, c'est un peu studieux parce que là, ils sont en plein dans leurs exercices. Et puis, l'ambiance, elle va monter crescendo. Et la petite touche belgo-belge, ben, c'est toujours l'accueil. Et donc, je vous laisse la surprise pour la fin de l'épreuve. Lights of my room, you came back asking me to assume that your dreams and hope my room on a bag in the smoke of the storm. No matter what cost on me, your nightmares finally ending. In the red lights of my room, you came back with a smile in my mind. You pretend you wish I knew about hating me with a sad reply. Don't you think the silence you broke was my fate in the future you woke? Épreuve au chrono, ensuite l'équipe redescend et on passe à une deuxième victime qui est suspendue dans le haut du camion. On doit monter et aller l'accrocher et le redescendre aussi. In the red lights of my room, can't smell your dangerous perfume. Too late, I missed the train, but again respect my pain. Time will make it go, till then it's nothing but love. In the red lights of my room, can't smell your dangerous perfume. Psychedelic party es buena sensación. Psychedelic party, eso sí es el soul. Psychedelic party, toda confusión. Psychedelic party, es alucinación. Basically, we're ascending here into the container and then down into the boat. Hopefully, we're not going to end up in the water. Where? Psychedelic party, tu cada vez te vas. Psychedelic party, un poquito más. Psychedelic party, tú eres el amor. Psychedelic party, como el del señor. I'm going to be attached to the death slide and then go down with one of the team, and they'll lower me down all the way down to the truck at the bottom. No, I'm not scared. But I trust these guys. These very very good, know what they're doing, so. We'll try to take care of our building. Be able to learn things from different people, exchange ideas and things. Lots of different ways of doing things. Really, really good, yeah. Ramène avec un bateau qu'on ne sait pas qu'il faut faire et que tu dois monter. Donc là, tu as un bazar. Hein. Donc regarde, ouïouïouï, le mannequin qui arrive avec son bateau là, comme un skiff. Et donc, il doit monter sur le filet là. Ah,
Allez, Namur. Allez, Namur. Allez, hey. Allez, Namur. Namur. Les concurrents directs de Marc-Gédam. Poussez sous vos jambes, cher ami. N'oublie déjà pas. Allez. Et une fois qu'il a monté sur le filet, il doit aller exactement sur l'autre branche qui est là en bas. Mais je ne sais pas ce qu'ils font. Je ne sais pas. Il traverse le pont et descend par les deux grappelles qui sont installées. Ensuite, ils continuent direction centre culturel, où là, ils sont pris en charge par une autre équipe. Essentiel, c'est pas le temps, si le temps est un élément, c'est pas ça. Le point essentiel, c'est principalement la sécurité, donc toujours les doubles sécurités comme on l'a précisé lors du briefing. Et puis c'est la fluidité, l'organisation, est-ce qu'il y a un leader, pas de leader, est-ce que les consignes sont bien claires, bien respectées. Donc maintenant, ils vont un peu conquérir la citadelle. Disons que c'est un site qui est un site de défense. Alors, il faut bien s'imaginer que pendant le Moyen-Âge, disons, il y avait la ville qui était en dessous. La défense se faisait en partant d'ici. Et disons, pour la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale, ils ont été installés des forts à peu près à 5 km d'ici pour éviter que, quand on attaquait la citadelle, donc qu'on attaquait la ville. Le terrain de jeu, entre parenthèses, est quand même grand. Il y a pas mal de choses à faire et ça nous permet de grandir un petit peu dans notre esprit. Parce que c'est clair que les Allemands ne travaillent pas de la même façon, n'ont pas le même matériel que les Anglais. Et donc, c'est aussi, si vous voulez, un apprentissage, disons, d'autres techniques. Donc, ce n'est pas une compétition dans le mot strict du mot. Leur équipement, c'est tout. Les mousquetons sont bien fermés, verrouillés. Si la victime n'est pas trop secouée, plein de petites choses comme ça. Voilà, jusqu'à présent, ça se passe bien pour tout le monde. C'était une blague belge cette fois. Comme à la maison. Ça a été impeccable. On va le refaire. Ah ouais. Ouais, mais il faut remonter à qui. Elle est chaude un peu, hein. Non, pas du tout. Elle est pas chaude.
au taré qui est sur les parets. In the red lights of my room, you came back asking me to assume that your dreams and hope my room. Oh, now back in the smoke of the storm, no matter what cost on me, your nightmares finally ending. In the red lights of my room, you came back with a smile in my mind. You pretend you were standing alone, hitting me with a sad reply. Don't you think you're silent, you broke?